notre activité s'inscrit totalement dans le cadre de cette journée donc consacrée à l'éco-rénovation, puisque les matériaux biosourcés sont des matériaux qui effectivement rentrent de façon importante aujourd'hui dans les problématiques et répondent aux enjeux de l'éco-rénovation. Donc notre positionnement en tant qu'agence immobilière d'un territoire, il est clairement d'être aux côtés de l'ensemble des acteurs économiques du territoire, en essayant de contribuer au développement des filières stratégiques, des filières pertinentes, des filières structurantes de ce même territoire. J'ai trouvé très intéressant le VS qui existait entre métier, savoir-faire et industrie. Je ne sais pas si ça s'est perçu beaucoup, mais il y avait un petit côté clivant qui n'était pas inintéressant sur à qui se confier, au savoir-faire des concepteurs ou au savoir-faire des industriels. La cible de cette journée, c'est vraiment les artisans, les PME, de manière à ce qu'ils puissent se développer en leur apportant des éléments de compréhension d'un marché, que celui de l'éco-rénovation, celui de l'éco-habitat, des éléments de compréhension pour qu'elles puissent rentrer sur ces marchés, contribuer au développement de cette filière-là et contribuer in fine à un des enjeux phares de la loi de transition énergétique. Pour cette organisation qui aujourd'hui est très, très importante pour le développement des filières locales et des territoires, donc qui s'inscrit aussi dans la problématique et dans les enjeux de l'Agence Une Rivière, un Territoire. Et aujourd'hui, la qualité des interventions qui ont été faites ce matin au cours des différentes tables rondes ont permis de bien comprendre quelles étaient les problématiques de l'utilisation d'éco-matériaux, de matériaux biosourcés dans la rénovation, avec des exemples, on va dire, très, très, très divers d'utilisation de matériaux biosourcés, avec des cas concrets qui ont pu être précisés, avec des approches d'artisans, des approches d'architectes, de maîtres d'ouvrage, de syndicats professionnels autour de ces matériaux-là, donc qui permettent d'avoir une vision assez, assez complète. Les agences Une Rivière, un Territoire sont associées à la production d'hydroélectricité et donc pas forcément et pas nécessairement compétentes pour tout ce qui touche à la question de la rénovation, de l'éco-rénovation. On est vraiment là en support.